Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais tellement hâte de faire ce tag. Ce tag c'est What's in my bag. Donc je trouve ça très marrant de faire ce tag, de vous faire voir ce qu'il y a dans mon sac. Et comme je suis curieuse, si vous voulez, mettez aussi vous en commentaire ce que vous avez dans votre sac. Donc vous allez voir, moi c'est un petit fouillé mais rangé quand même. Et donc on va commencer tout simplement. Donc je vais vous faire voir mon sac du moment. Donc c'est celui-ci. Il est rouge bordeaux noir. Et c'est un A by André. Donc c'est une marque déposée à la halle depuis un bon moment. Et donc je le trouvais trop sympa ce sac, donc il est comme ça quoi. Franchement je l'aime beaucoup. Et je vais dire le sac du moment parce que tout simplement moi j'aime bien changer de sac, voire même je pense que je ne sais plus quoi faire ou ranger mes sacs tellement que j'en ai plein. Et donc plus particulièrement je voulais vous faire voir aussi. Parce que comme je vous ai dit, j'aime bien aller à des matchs de foot. Et donc quand je vais au match de foot, je prends un petit sac. C'est plus pratique je pense. Et donc je prends ce petit sac là en bandoulière. Donc c'est un petit sac banal quoi. On va dire que c'est même une pochette plutôt qu'un sac. Donc il y a une petite tête de mort avec des strass et avec des petits motifs, je trouve ça vraiment très sympa. Et donc ce sac là je l'ai acheté à Noz il y a un bon moment déjà. Il était dans les 4 € il me semble. Et donc c'est vraiment super pratique pour aller au match de foot. Donc voilà. Et donc sinon je prends celui-ci pour la ville, enfin pour les jours en quotidien, mais j'en ai plein d'autres, donc je veux dire que je change de sac à peu près tous les 2 mois, tellement que j'en ai plein, sinon je peux pas tous les porter, c'est dommage, donc voilà. Donc je vais vous faire voir ce qu'il y a dedans. Donc déjà pour commencer, dans la pochette de devant il y a mon téléphone. Donc j'adore sa nouvelle coque que j'ai achetée il y a un moment sur Amazon, ça fait un mois. Et en plus de ça, il a un cache-poussière jack avec un petit papillon que je trouve vraiment sympa. Et j'avais eu un stylo avec et un film protecteur. Et franchement, c'était un pack et j'ai vraiment payé pas cher, donc 9,90 €. Il y avait d'autres motifs pour les coques. Donc si vous voulez... je vous partagerai le lien en commentaire si vous avez envie d'acheter ce genre de pack. Et donc à l'intérieur du sac il y a des médicaments. Donc pour les maux de ventre souvent ça sert, ce sont des spasmons, là je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un médicament très pratique qui fait vraiment effet. Enfin sur moi, donc je ne sais pas sur les autres. Nous avons une petite boîte de chez Nana. Donc c'est une boîte pour ranger sa serviette périodique tout simplement. Je ne vous cache rien. C'est super pratique parce que souvent comme ça, si on va si on sort beaucoup dans la journée et donc pas le temps d'aller aux toilettes, enfin il n'y a pas de distributeur de serviettes quoi. Et donc avoir ça sur nous dans son sac à main, c'est super pratique. D'ailleurs j'étais en train d'imaginer un distributeur de serviettes périodiques. Franchement ça serait vraiment pas con hein. Peut-être que ça existe même, mais ça serait pas con d'inventer ça. Enfin voilà. Nous avons un petit calendrier, ça sert toujours, ça c'est sûr. Nous avons du Labello. Alors c'est le Labello Pearly Shine. Franchement je l'adore, il hydrate bien et en plus il vous fait des lèvres rosées. Franchement je l'adore. Je sais pas si vous connaissez mais il est superbe, je vous conseille de l'acheter.
Donc voilà, nous avons une sucette Chupa Chups. Alors moi, mes préférés, c'est fraisé. Donc voilà, je sais pas, j'avais acheté ce genre de sucette et je les mets dans mon sac. Je suis résistante parce que je ne l'ai pas encore mangé, donc ça va pour l'instant. Nous avons une ordonnance pour mes médicaments pour la tension. Nous avons une fiche de loyer. J'ai une lettre du dernier compte-rendu de mon cardiologue, car il faut toujours avoir sur soi une lettre de son compte-rendu. Surtout si on a des problèmes de santé, s'il nous arrive quelque chose dans la rue ou quoi, au moins on a ça sur nous et voilà quoi. Nous avons mon portefeuille trop mignon avec des petits oiseaux. Donc je sais plus exactement où je l'ai acheté. Je crois que c'était un genre de magasin comme Accessories ou Six Accessoires. Enfin, c'était un genre de magasin là. Je sais plus le nom exactement. Je crois que c'est Moa ou un truc comme ça. Enfin bref. Et donc voilà, donc il se présente comme ceci. Hop, à l'intérieur. Et donc j'ai toutes mes cartes. Hein, donc carte SNCF. Carte électorale, carte d'identité, des tickets de caisse, ouf, une tonne de tickets de caisse, de garantie, carte voyageur SNCF, voilà, carte, alors ça c'est ma carte préférée on va dire. Ma carte Sephora Black. Ah ouais, ça j'aime bien cette carte là. Ma carte Yves Rocher. Une carte Intermarché. Donc vous voyez, j'ai plus de cartes cosmétiques que pour faire des courses. Franchement, c'est... je trouve ça pas terrible quoi. J'ai un peu honte de moi. J'ai des superbes lunettes de soleil. Donc voilà. Elles sont vraiment magnifiques. Je les avais eues gratuites. C'était. Je crois que c'était la paire gratuite au bout de lunettes. Donc c'était une lunette achetée, la deuxième paire à 1€ et la troisième paire offerte. Je crois que c'était un truc comme ça. C'était chez Afflelou il y a un moment. Donc je les trouve vraiment très jolies. À la base, c'était des lunettes. D'optique et moi j'ai pas besoin de porter de lunettes et je trouvais la monture très 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 jolie et ils ont dit qu'ils pouvaient mettre des lunettes de soleil des lunettes des verres solaires dessus et donc ils me les ont mis tout simplement et maintenant j'ai mes lunettes de soleil donc j'adore franchement et c'est de très bonne qualité comme vous voyez. Donc voilà quoi, je sais pas si je vais laisser les lunettes parce que on voit la caméra dans les verres. Donc voilà, je les trouve vraiment très jolies. Nous avons un paquet de Kleenex et dans la pochette intérieure nous avons un porte-carte pour ma carte vitale et ma carte de mutuelle. Donc voilà. Nous avons un énorme porte-carte. Donc voilà. Donc il y a plein de cartes dedans. Je vais pas vous faire voir toutes mes cartes parce que il y en a vraiment plein. Je vais peut-être vous montrer plutôt la carte de mon groupe sanguin parce qu'il y a ma photo de moi quand j'avais 5 ans dessus. Donc voilà, hop. Je la trouve vraiment horrible, cette photo. Franchement, je la trouve vraiment horrible. Non mais sérieusement. Donc voilà. Et nous avons... un chéquier, voilà, et nous avons
oui, nous avons mon petit livret comme quoi je suis porteuse d'un pacemaker. Je suis obligée d'avoir ça. Donc voilà, mon livret de pacemaker. Et nous avons ma carte d'abonné au foot pour Guingamp. Donc voilà. En avant de Guingamp, c'était la saison 2014-2015. J'aurai sûrement la saison 2015-2016. Donc j'ai hâte que le football reprend. Oui, donc je suis comme ça, quoi. Moi, j'adore le foot. Qui aurait cru que je dis ça un jour? Parce qu'il y a 5 ans, ça, j'aimais pas. Je trouvais ça nul. Vraiment pas intéressant. Non, en fait, ça m'intéressait pas. Et depuis que j'ai rencontré mon copain, tout simplement, j'adore le foot. J'adore aller au match de foot. Par contre, je veux dire, je vais pas regarder tout le temps du foot à la télé parce qu'en fait, c'est pas pareil. Je vous conseille plus à aller voir un match de foot au stade que le regarder devant la télé parce que moi, devant la télé, ça m'ennuie un peu, on va dire. Et au stade, c'est pas pareil, il y a l'ambiance et tout, et on participe et tout, et c'est juste génial. Donc si vous aimez pas le foot, enfin, si vous aimez pas le foot, je pense qu'il y a pas mal qui n'aiment pas le foot, mais je vous invite, si vous voulez, à aller voir un match de foot. Donc je vous invite, enfin, vous y allez, quoi. Je vous invite pas, je vous paye pas la place, hein. Non, mais allez-y, quoi. Allez-y avec votre copain. Votre copain, je suis sûre, il y en a plein qui aiment le foot et qui aimeraient emmener leur copine au match. Donc voilà. Et sur ce, donc j'ai fini. Et je reviendrai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera sûrement sur un tuto avec un Naked 3. Donc un tuto nude. J'ai été ravie de vous compliment sur mon premier tuto. Sur la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous, ciao ciao. Rendez-vous au prochain règlement.